boulevard Raspail, à deux pas de la coupole et d'un Paris bruyant, vit Jean-Paul Sartre, l'écrivain le plus connu et le plus controversé de son temps. Cette chambre austère représente une espèce de conscience universelle. Combattant du tiers-monde, cubain, vietnamien, étudiant, sollicite dans leur lutte l'appui de Sartre. Personnage public, Sartre pourtant ne s'entoure que de quelques personnes. La maison blanche avec les petites fenêtres allongées, rectangles. Par ici, mais on peut bien voir, habite ma mère. Là-bas, habite le castor. Vous voyez, c'est la maison blanche, là. Vous voyez, ici, habite Arlette, là, 100 mètres aussi. Ça, on vous identifie toujours à Saint-Germain-des-Prés. Je vois que tous ceux que vous aimez sont à Montparnasse. Oui, d'abord, j'ai habité longtemps Saint-Germain-des-Prés, mais vous savez que j'en ai été chassé par une petite explosion. Alors, je suis venu m'installer ici. Depuis, tout le monde s'est coupé. Et ça, c'est le cimetière Montparnasse. Ça, c'est le cimetière Montparnasse, oui. Ça n'est pas lugubre? Pas du tout. Vous voyez, moi, je vois ça plutôt comme un tableau de Jean Gris, ou bien alors, d'une petite ville. J'ai toujours visité les cimetières, d'ailleurs, à l'étranger. On est au 10e étage. 10e, oui. Alors, ils m'ont construit ça. Ah, avant, j'avais une vue beaucoup plus belle, il y a 2 ans. Vous aimez les hauteurs? J'aime bien, oui. J'aime bien habiter haut. Castor. Dès qu'on dit Sartre, on dit aussi Simone de Beauvoir, le castor pour ses amis. Depuis 36 ans, les deux écrivains se voient tous les jours. Ils sont un couple, intimement lié et à la fois très libre. Pour préserver leur intimité, mais surtout parce qu'ils se sont voués au travail, ils ont instauré dans leur vie une organisation de fer. Tous les matins, chacun travaille seul de son côté. Depuis près de 10 ans, Sartre prépare un essai sur Flaubert, où il tente de faire une synthèse, et c'est là son engagement d'intellectuel, de toutes les méthodes que nous avons pour connaître un homme, que ce soit les évidences qu'il donne sur lui-même, le marxisme, la sociologie et la psychanalyse. Mais en même temps, Sartre s'engage tout entier dans la lutte pour la paix et l'indépendance du Vietnam. Il a accepté de présider le tribunal Russell, qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam. Alors, pour en venir à la guerre du Vietnam proprement dite, pourquoi aujourd'hui vous préoccupe-t-elle tellement? Je veux dire, quel type de danger comporte-t-elle? Eh bien, naturellement. C'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Mais ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument visible, d'un point de vue éthique, qui consisterait à dire ce qui est vrai, qu'il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, super armés, contre une nation où les paysans dominent, qui est quelques millions d'hommes, et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions. Aérienne, par exemple, bien que cependant, elle tienne et elle tienne dure. Ce n'est même pas de ce point de vue.